Voilà, soyez les bienvenus à Radio Mondiale Évangile. Juste un bonjour à vous souhaiter dans le nom de Jésus. Voilà, c'est pour vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Une bonne fin de fête de Pâques. Dans le nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur votre vie. Dans le nom de Jésus, et que tout ce qui était mort en vous ressuscite. Au nom de Jésus, que la vie de Jésus, car la Bible déclare qu'il est mort le premier jour, et il est ressuscité le troisième jour. Pendant ce temps-là, il a brisé le bouclier du diable, il a brisé le pouvoir du diable, car il est écrit dans Luc chapitre 19 que Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous faire du mal. Donc si rien ne peut nous faire du mal, forcément, nous avons toute autorité. Il y a même des témoignages souvent que des sorciers donnent leur vie à Jésus parce qu'ils voient la puissance au-dessus de toute puissance qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que je souhaite même que les sorciers qui attaquent les vies des êtres humains donnent leur vie à Jésus, car eux, leur volonté, c'est de chercher le tout-pouvoir. Donc quand ils voient un pouvoir qui est au-dessus d'eux-mêmes, ils veulent l'attraper. Sachant que Jésus a le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, eh bien, je souhaite que les sorciers soient sauvés aussi. Car la Bible déclare que Jésus souhaite que tout soit sauvé. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Non pas la Pâques avec les œufs et la pain au chocolat, mais la Pâques qui célèbre la victoire de la vie sur la mort. C'est-à-dire la mort du Seigneur Jésus et la résurrection du Seigneur Jésus. Le troisième jour. Il a dit, vous ferez ce que l'on appelle souvent la Sainte Cène, cela en mémoire de moi. Il a pris le vin, il a dit, voici, ceci est mon sang, remis pour cette alliance nouvelle, remis pour les péchés de toute l'humanité, mon sang versé. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et donc, lorsque nous buvons le vin, transformé spirituellement en sang, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et quand nous prenons le pain, il a dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, remis toute l'humanité. Vous ferez cela en mémoire de moi. Donc quand tu manges le pain, je précise le pain sans le vin, et sans la levure, de l'eau, du sel, de la farine, juste ça, cuit au four, 15 minutes, et bien, c'est la vraie Pâques. La fausse Pâques, c'est quoi? La fausse Pâques, c'est, par exemple, du pain, de la boulangerie avec du levain. Ça, c'est zéro. Donc, pour vous dire que, aussi que Jésus a dit que celui qui mange mon corps a la vie éternelle et celui qui boit mon sang a la vie. Celui, il a dit aussi, celui qui ne mange pas mon corps. Le pain, c'est-à-dire le pain, en fait. Le pain sans le vin. Et celui qui ne boit pas mon sang. C'est-à-dire le vin transformé en sang. N'a pas la vie. Donc, je vous exhorte à faire ainsi. Afin d'avoir la vie. Vous pouvez même le faire dans vos maisons.
Il vous suffit de préparer de la pâte, un peu de farine, et c'est 200 grammes de farine pour 120. Quand vous prenez le doseur de farine, vous mettez sur 120 grammes d'eau. Vous prenez une demi-cuillerée de sel. Vous renversez l'eau petit à petit dans la farine en malaxant. Vous mettez la cuillerée de sel. Vous malaxez. Vous en faites une boule. Alors si c'est trop gluant, vous rajoutez un peu de farine autour pour que ça devienne un peu facile à malaxer et que ça colle pas aux doigts. Et ensuite, vous aplatissez avec un rouleau à pâtisserie. Si vous en avez pas, vous prenez une bouteille en verre ou en plastique. Préférence une bouteille en plastique où il n'y a pas de trait au milieu, quoi. Comme ça fait pas les traits sur le pain. Après, si vous voulez faire des décorations, il n'y a pas de mal à ça. Puis après, si vous n'avez pas de truc pour couper autour, vous prenez un petit bol. Une fois que c'est bien aplati, vous prenez un petit bol. Enfin, un bol, quoi. Pour faire la forme ronde autour, vous la posez sur le pain aplati. Vous appuyez fort et tous les bords qui restent autour, vous les enlevez et ça fait un pain rond. Voilà. Après, avec les bouts qui restent, vous pouvez très bien faire d'autres pains en les aplatissant et voilà quoi. Mais voilà. Et Jésus valide cela. Vous mettez ensuite au four à mi-hauteur. Le four, que je précise, vous aurez préchauffé d'abord à 200 degrés. Et vous le mettez, une fois qu'il est préchauffé, bien chauffé à 200 degrés, vous mettez votre pain enfourné à mi-hauteur et pendant 15 minutes, vous le sortez et là il est prêt. Après, pour faire la Sainte Cène, c'est simple, vous avez votre vin, vous priez d'abord en français et en langue du Saint-Esprit pour réclamer la présence de Dieu. Le pain étant devant vous, la bouteille de vin étant ouverte, les gobelets étant prêts, vous prenez le passage de Luc chapitre 22 à partir du verset 17 à 18. Vous le lisez. Ensuite, vous posez les mains sur les gobelets qui auraient. Enfin, d'abord, vous versez le sang de Jésus, le vin, quoi. Et ensuite, vous posez les mains vers les vins. Les gobelets qui ont reçu les vins. Vous priez pour que cela devienne vraiment le sang de Jésus. Et le pain devienne le corps du Christ. Vous déposez votre Bible quelque part. Vous dites à Jésus que vous allez découper le pain selon sa parole. Vous le distribuez aux personnes autour de vous. Vous distribuez le vin en disant bien que c'est le sang de Jésus. Et vous mangez, vous buvez en fermant les yeux, en pensant au corps de Jésus qui a souffert pour vous, en pensant au sang de Jésus qui a coulé pour vous. Et après, une fois que tout est avalé, vous restez pensif en pensant à lui. Et ensuite, vous vous mettez à prier en français et en langue. Ou dans votre langue maternelle et en langue du Saint-Esprit. Et voilà, Dieu va se révéler à vous ainsi. C'est comme ça la vraie Sainte Cène. Vous pouvez le faire dans vos maisons. Car la Bible déclare que il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain. Je paraphrase un peu pour dire qu'il le faisait dans les maisons. Donc dans vos maisons, vous pouvez le faire. Et une chose est sûre, c'est que
il faut le faire au moins une fois par an. À la Pâque, à la période de Pâque, il faut le faire obligatoirement. Après, si le Saint-Esprit vous révèle de le faire d'autres fois, ne vous endoctrinez pas en disant que non, il faut pas, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Faites ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, car c'est lui le maître. Les pasteurs, êtres humains, peuvent dire plein de choses, mais parfois ce sont des doctrines d'hommes. Écoutez la doctrine de Dieu. Écoutez Dieu et vérifiez cela dans la Bible. La Bible ne dit pas qu'il faisait pas ça, cela. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faisait chaque Pâque, ça c'est sûr. Mais la Bible ne dit pas qu'il le faisait pas à tout moment. La Bible dit seulement qu'il persévérait dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres. Donc, et qu'il le faisait dans les maisons. Et je me souviens du pasteur Bénin qui parlait de un témoignage d'un homme de Dieu qui disait que dans le fait d'être à la table du Seigneur, il y a un mystère dedans. Il y a des guérisons dedans. Il parlait d'un malade qui était malade depuis longtemps à l'hôpital et il s'est passé que un serviteur de Dieu a prié pour la personne et Béni était là, je crois. Ils ont dit, il faut qu'on fasse la Sainte Cène. Parce que dedans, il y a un mystère. Dans le dîner, dans le fait d'être à table avec le Seigneur. Donc, ils l'ont fait et la personne a été guérie instantanément. Alors que la personne avait un cancer. Et était déclarée. C'était le père de Béni, voilà. Avait un cancer et était déclaré mort dans quelques jours, quoi. Il a repris vie à travers la Sainte Cène. Faite à l'hôpital, dans la chambre. Mais beaucoup d'hommes de Dieu sont confus, sont mélangés, ne comprennent rien, sont endoctrinés, sont bloqués sur des doctrines débiles. Et Jésus dit vraiment, ils me font pitié. Ceux qui font la Sainte Cène avec du pain normal, gonflé avec la levure, sachez, ne la prenez pas. C'est faux. Voilà, tout simplement. Si on fait les choses de manière pure, la Bible déclare que le salut vient des Juifs. Et les Juifs font le Shabbat même avec du pain sans levain. Et la Sainte Cène est inspirée du Shabbat, justement. La Bible déclare que la Sainte Cène, c'est la fête du pain, la Pâque, c'est la fête du pain sans levain. En faisant ainsi, et on verra la gloire de Dieu. Dieu a validé récemment, nous avons fait ainsi, Dieu a révélé à mon épouse que c'était vraiment selon sa volonté. Donc, ne soyez pas craintifs, même si vous n'êtes pas consacré. Vous avez le droit de le faire ainsi, car Jésus a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est tout. Ne soyez pas compliqué, ne vous compliquez pas la vie. Par contre, pour le baptême d'eau, ne faites pas dans les baignoires, ne faites pas dans les piscines. Faites dans la mer, dans un fleuve, dans un lieu créé de la main de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'était votre serviteur Maximilien, ou un de l'Éternel, pour Radio Mondiale Évangile. Que Dieu vous bénisse, et que la grâce de Dieu se repose sur votre vie, au nom de Jésus. Shalom.